Salut, salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo assez courte, assez rapide. Aujourd'hui, on va parler d'une des fonctions du Thermomix, tout Thermomix confondu, l'émulsion, émulsionner, qui permet entre autres de créer de la mayonnaise, enfin de créer, de faire de la mayonnaise, mais aussi des sauces vinaigrettes, etc. Donc je vais vous présenter ces deux recettes, mayonnaise et une vinaigrette. La base, c'est d'essayer d'utiliser le Thermomix avec ses fonctions sans recette guidée. Malheureusement, je ne connais pas vraiment de recette de mayonnaise par cœur, donc j'ai utilisé une recette guidée pour la mayonnaise, bien entendu. Donc, vous retrouverez le lien de la mayonnaise que j'ai utilisée sous la vidéo, comme d'habitude. Mais le but de ces petites vidéos sur les fonctions du Thermomix, c'est de vous montrer que chaque fonction du Thermomix est importante, que vous pouvez bien entendu utiliser le Thermomix quotidiennement, même sans recette guidée. Il suffit simplement d'avoir un petit peu d'imagination et également l'envie de créer vos recettes que vous aviez l'habitude de faire à la main avec le Thermomix, pourquoi pas. Ça dépend pour quelle raison vous avez acheté un Thermomix. Si c'est pour des raisons de santé, si c'est pour des raisons de rapidité en cuisine. Voilà, ça peut vous être utile. Donc la mayonnaise, très simple. Mais pourtant, Thermomix trouve quand même à mettre des ingrédients qui ne sont normalement pas dans la mayonnaise. Voilà. Donc la mayonnaise, c'est pour moi quelque chose de très difficile à faire. La fonction émulsion, c'est pour moi quelque chose de compliqué que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à maîtriser. Mais j'ai quand même réussi, après de nombreuses années, à échouer sur la mayonnaise. J'ai quand même réussi à faire une mayonnaise correcte. Alors par contre, au point de vue de la recette, cette mayonnaise est vraiment, vraiment très, très bourrative. Limite la texture, on dirait presque de la margarine tellement elle est compacte. Voilà. Mais sinon, elle était quand même bonne à manger. Je dirais pas excellente parce qu'elle est très bourrative. Limite, on pourrait s'en servir pour cuire dans une poêle, on dirait presque de la margarine, c'est impressionnant. Mais voilà, une bonne mayonnaise fait maison se garde facilement une bonne semaine dans un pot hermétique, bien entendu. Ça se garde assez longtemps et c'est ça qui est cool. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vous aussi déjà fait de la mayonnaise avec le Thermomix, quelle recette vous avez utilisée et si vous avez rencontré des problèmes ou pas. Moi, j'en ai souvent rencontré, j'en ai beaucoup rencontré. L'erreur que je faisais tout le temps, c'est d'essayer de verser l'huile trop vite. Ce qui fait que finalement, ça n'émulsionne pas, ça fait comme une vinaigrette mal mélangée et finalement, ça ne faisait pas du tout. Et je n'avais jamais réussi à trouver le bon tempo pour verser l'huile. Mais avec le temps, on finit toujours par trouver. Et voilà une mayonnaise. Donc, bien sûr, pour accompagner cette mayonnaise, je me suis dit pourquoi pas faire un petit dîner apéro et trempouiller des petites choses dans la mayonnaise. Voilà. Une très très bonne idée à refaire à l'occasion avec une bonne mayonnaise maison ou peut-être d'autres sauces aussi. Je sais qu'il y a d'autres sauces disponibles sur cookidoo.fr. qui peuvent vous permettre, ou si vous avez votre propre recette de mayonnaise, pourquoi pas l'essayer au Thermomix avec la fonction émulsion qui vous éviterait d'avoir à remuer, remuer, remuer sans arrêt, à vous en faire mal à l'épaule. Deuxième recette, bien entendu, la vinaigrette. Alors la vinaigrette, ça par contre, c'est quelque chose que je fais souvent en recette guidée. Là, pour une fois, j'ai eu envie de tester la recette de vinaigrette qu'on fait habituellement, que j'ai l'habitude de faire. Donc un petit peu de moutarde, un petit peu de vinaigre et on mélange. Voilà. Et ensuite, je vais venir verser l'huile exactement comme pour la mayonnaise, tout doucement sur le couvercle. On ne touche pas, bien entendu, au bouchon. On ne touche pas au bouchon, on ne le soulève pas. Il faut que l'huile s'écoule tout doucement
pour que ça émulsionne. Ça coule en fin filet sur les hélices et c'est ça qui fait l'émulsion et bien sûr le fouet également. Le fouet est là pour aider à faire rentrer l'air, donc à émulsionner le tout. Donc si vous essayez bien entendu de faire votre mayonnaise ou votre vinaigrette à vous avec le Thermomix, n'oubliez pas bien entendu d'insérer le fouet, sinon juste les hélices ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas, ça ne suffira pas du tout. Donc là, j'ai jeté de temps en temps un petit coup d'œil pour voir la texture une fois que l'huile avait fini de couler. Donc j'ai choisi de la moutarde, je vais y arriver, fine et douce, de l'huile de colza, du vinaigre de cidre. Mais bien sûr, vous pouvez varier les huiles, les vinaigres ainsi que les moutardes pour varier le goût des vinaigrettes. C'est sûr, elle n'a pas la texture d'une vinaigrette industrielle, mais croyez-moi, elle est très très bonne, je me suis régalée. Donc elle se délie dans le frigo, on voit bien le vinaigre et l'huile qui se séparent. J'ai juste à, avant de l'utiliser, à secouer très fort pour tout remélanger et c'est parfait. Une très très bonne vinaigrette. Moi, ce que j'aime bien faire souvent avec l'huile de colza, c'est mettre du vinaigre balsamique parce que je trouve que l'huile de colza a tendance à être un peu plus fade en goût que l'huile d'olive par exemple. Et du coup, c'est vrai que là, avec la moutarde, il n'y a pas le problème parce que ça donne un peu de goût. Mais d'habitude, quand je me fais un petit peu de crudité, voilà, je mets un petit filet de vinaigre balsamique, un petit filet d'huile de colza. Si j'utilise l'huile de colza, je mets forcément le vinaigre balsamique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien rater.